ainsi que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donna son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Écoutons les textes de la 14e semaine du temps ordinaire, lus par la sœur Pierrette d'Assy, sœur de Notre-Dame des Apôtres, NDA, et le diacre Justin Tikounou de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Pierre Paul de la Société des Missions Africaines, SMA. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Judas et ses frères, les fils de Jacob, avaient été ramenés devant Joseph. Judas s'approcha de lui et dit : De grâce, mon Seigneur, permets que ton serviteur t'adresse une parole sans que la colère de mon Seigneur s'enflamme contre ton serviteur, car tu es aussi grand que Pharaon. Mon Seigneur avait demandé à ses serviteurs, « Avez-vous encore votre père ou un autre frère ?» Et nous avons répondu à mon Seigneur, nous avons encore notre vieux père et un petit frère, l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Celui-ci avait un frère qui est mort, il reste donc le seul enfant de sa mère, et notre père l'aime.
Alors tu as dit à tes serviteurs, « Amenez-le-moi, je veux m'occuper de lui. » Si votre plus jeune frère ne revient pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. Donc, lorsque nous sommes retournés auprès de notre père, ton serviteur, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et lorsque notre père a dit, « Repartez pour nous acheter un peu de nourriture. » Nous lui avons répondu, « Nous ne pourrons pas repartir si notre plus jeune frère n'est pas avec nous, car nous ne pourrons pas être admis en présence de cet homme si notre plus jeune frère n'est pas avec nous. » Alors, notre père, ton serviteur, nous a dit, « Vous savez bien que ma femme Rachel ne m'a donné que deux fils. Le premier a disparu. Sûrement, une bête féroce l'aura mise en pièces et je ne l'ai jamais revue. Si vous amenez encore celui-ci loin de moi et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre misérablement mes cheveux blancs au séjour des morts. » Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite et il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Quand il n'y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître de ses frères. Il pleura si fort que les Égyptiens l'entendirent et même la maison de Pharaon. Il dit à ses frères, « Je suis Joseph. Est-ce que mon père vit encore ?» Mais ses frères étaient incapables de lui répondre tant ils étaient bouleversés de se trouver en face de lui. Alors Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent et il leur dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici. » Avant vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Dieu appela sur le pays la famine, le privant de toutes ressources. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. On lui met au pied des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur, jusqu'au jour où s'accomplit sa prédication. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison
le maître de tous ses biens. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Alléluia, alléluia, alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 10, versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuir à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville, au village, où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir, et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui y habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas, et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, en écoutant les paroles de l'Écriture, il nous est rappelé que chacun de nous a été envoyé par Dieu pour proclamer sa vérité et la bonne nouvelle qu'il nous a révélée. Dans notre première lecture d'aujourd'hui, tirée du livre de la Genèse, nous avons entendu l'histoire de Joseph, le fils de Jacob ou d'Israël. Une chose qu'on peut retenir, c'est que Dieu était avec Joseph et l'a guidé, l'a fait réussir et grandir. Il s'est souvenu de ce qu'il était et de la façon dont Dieu l'avait aidé et pourvu à ses besoins. C'est pourquoi Joseph s'est révélé à ses frères et a pardonné à tous ceux qui l'avaient vendu comme esclave et à ceux qui lui avaient fait subir des souffrances et des épreuves, leur révélant à tous comment Dieu l'avait protégé et avait été avec lui tout au long du chemin. L'envoi de Joseph en Égypte rappelle en quelque sorte ce que nous avons entendu dans l'Évangile d'aujourd'hui, dans lequel nous avons entendu comment le Seigneur a envoyé ses disciples au-devant de lui pour accomplir ses œuvres et son ministère. Il les a envoyés pour atteindre les nombreuses personnes qui avaient besoin de soins, qui avaient besoin d'aide,
qui avait besoin d'être libéré. Notre monde d'aujourd'hui a plus que besoin de la bonne nouvelle, en parole et en action. Il y a tant de jeunes désorientés et perdus dans des idéologies fallacieuses de tout genre. De nombreuses familles vivent des déchirures pour une raison ou pour une autre. De toute cette situation, le Seigneur veut se faire proche encore aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse tous, ainsi que nos bonnes œuvres et nos efforts, pour sa plus grande gloire. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est le coup de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24. En direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.